monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la semaine numéro 1 du mois de juillet déjà. On est aujourd'hui samedi 6, ouais c'est ça. Il est 10h, je suis à la maison toute seule avec les enfants. Il y a la meilleure amie de ma fille qui est là également. J'ai eu à dormir et que j'ai encore à dormir cette nuit. Donc s'il y a du bruit, c'est normal, je leur ai dit de rester calme, mais bon, voilà, trois gosses ensemble, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je voulais faire avec vous le bilan de cette première semaine de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu l'anniversaire de mon loulou, il a été gâté, il voulait une Switch, il a eu sa Switch, oui je sais, c'est jeune, mais bon. Voilà, il est malheureusement né avec les écrans. Comme je dis toujours, il est né avec un portable dans la main et une manette dans l'autre. Donc, il voulait la Switch, il a eu la Switch. Donc, c'était mardi, sinon son anniversaire. On l'a fait la semaine dernière avec les amis, ça s'est super bien passé. On a passé un très, très, très bon moment. Et donc, mardi, c'était le jour J. Donc, ça y est, il a 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Fin de l'école aussi, ça y est. Les loulous sont en vacances, ils sont contents. Ils partent demain. Demain, on fait l'anniversaire de Louis avec... ma famille, chez mon papa, ce soir avec mes beaux-parents à la maison. Et du coup, il repart demain avec ma maman. Ils repartent en Vendée donc, pendant 15 jours. Donc 15 jours sans enfants. Voilà. Que vous dire d'autre? Semaine donc banale. Hein. Moi, j'ai travaillé. Ça s'est bien passé. C'était plutôt calme. Donc tout va bien. Lecture, très bien aussi. Je vous parlerai de ça en fin de vidéo. Je suis désolée pour les personnes qui préfèrent que ce soit en début de vidéo. Malheureusement, je ne peux pas faire pour tout le monde. Donc voilà, ça restera en fin de vidéo, parce qu'à l'origine, ma chaîne est quand même une chaîne budget. Je voulais aussi vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à mes vidéos tenues. Je suis super contente que ça vous plaise, qu'il n'y ait pas eu de jugement, il y aurait pu y en avoir. Hein. Je sais que chez d'autres youtubeuses qui ont fait ce genre de partenariat et qui ont eu des soucis, entre guillemets, hein, des jugements et tout. Donc voilà. Voilà, je leur avais dit, hein, c'était 3 vidéos, c'est fait. Voilà, s'ils veulent poursuivre, pourquoi pas. Mais pour l'instant, en tout cas, on s'arrête à 3 vidéos. Ça fait déjà 18 fois que je dis voilà. Bon, on va attaquer. Que vous dire, la semaine a été extrêmement calme. J'ai quasiment pas fait de course, même pas de course, parce que, comme je vous l'avais dit aussi, je voulais finir ce que j'avais dans le frigo, profiter que les enfants soient là. Du coup, j'ai dû faire... très très peu de courses parce que j'avais tout. J'avais juste 2-3 bricoles à racheter comme du râpé, des lardons, enfin voilà, ce genre de choses. Mais sinon, vraiment rien de parti, de foufou. Ce qui fait que mon portefeuille est plein. Alors j'ai archi plein de monnaie parce que du coup j'ai cassé les billets de 50. Donc il me reste 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, et j'ai de la monnaie, je vous montrerai après. Par contre, je garde les 32 pour la viande, puisque du coup, je ne l'ai pas utilisée, et elle sera reportée la semaine prochaine. Donc là, du coup, j'ai 20, 30, 40, 50, 60, 70... 80, 90 et 95. Et les pièces, j'en ai archi plein. 2, 4, 6, 7, 8, 10, donc ça fait 105. 2, 4, 6, alors attendez, 2, 4, 5, ça fait 110, 2, 50, ça a l'air d'être tout, ouais, donc 112, 50, logiquement, c'est bon, je vais remplir pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on est que tous les deux. Donc, je vous l'avais dit, ce sera une semaine à 80 euros. Du coup, hop. Donc, on a bien nos 80 euros plus les 30 de la viande, ce qui nous fait 110. Ça devrait le faire. Hop, divers, les 10 euros.
sont toujours là. Vous savez quoi, je vais laisser les billets de 5, puisque de toute façon j'en ai, donc je vais avoir mes 10 euros à mettre dans mes billets de 5, et je vais mettre le billet de 10 de côté. Voilà, ensuite, loisirs. J'avais mis 10 euros dans le défi flash, donc il me reste bien mes 30 euros. Alors, mon mari n'a pas emmené les enfants à la piscine, parce que ma fille, mardi, a eu sa sortie scolaire, elle est rentrée à 19h, donc du coup, il a dit pas de piscine, juste avec le petit, il voulait pas, du coup, pas de piscine cette semaine. J'en mets juste 10 euros pour avoir mes 40 euros, et je prends les 30 euros plein de étroit pour la semaine prochaine, pour les économies. Femme, santé, on n'y a pas touché, les 10 euros sont toujours là. Ah. Je vais prendre là. Et fonds de secours, et ben c'est parti, c'était parti dans le défi flash. Donc on les prend de là. Voilà. Anguin Vinted, j'ai retiré, j'ai 25 euros de mes ventes libres, hein, comme d'hab. Là, j'ai encore pas mal vendu cette semaine. J'ai fait un peu de tri des choses que j'avais lues et que je voulais vendre. Donc, je dois avoir encore pas loin de 100 euros en attente. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc 25 euros en plus. Donc, lui, il est vide. Enfin, non, il est replein. Je vais le mettre de côté pour le défi flash tout à l'heure. Le reste du budget. Mon mari, je lui prends ses 20 euros que je vais lui donner. Je lui prends ses 30 euros de son essence moto. Hop. Voilà. Ensuite, budget mensuel. Extra, les 50 euros sont toujours là. Cigarette, il n'y avait déjà plus rien. Perso, j'ai utilisé mes 10 euros pour acheter un livre. Donc, il n'y a plus que 50, mais ils vont... À mon avis, ils vont partir. Je vais à la FNAC tout à l'heure. Donc voilà. J'ai oublié de remplir. Essence, on n'a rien fait. Parking, je suis allée deux fois sur site. Du coup. Alors pour une fois, c'était pas 4,20. La première fois, c'était 3,90. Et la deuxième fois, c'était par contre mes 4,20. Parce que j'ai fini plus tôt et du coup, j'ai pu économiser 30 centimes. C'est toujours ça de prix. 31,10. J'ai pu compter. Je refais. Moins 3,90, ça fait bien. 31,10, moins 4,20. 26,90. Et achat internet. Pardon, les 50 euros sont toujours là. Pour une fois. Voilà. Alors, sur les dépenses de la semaine. Donc, j'ai fait 5,50 d'alimentation. Là, rien. 20 euros mon mari, 30 euros de l'essence moto, 150 euros de cigarettes, moi 10 euros de perso, les 100 euros de mon mari étaient partis, là, rien. Et 8,10 de parking. On a dépensé 323,60 euros cette semaine. Bah écoutez, on va regarder combien on a au total à mettre dans les défis. Alors déjà, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 50 ici. Pardon. Et là, j'ai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 20 plus 120, ça fait 140. 140, 150, 160, 170, donc 187,50. Très, très bonne semaine d'économie. Allez, on est reparti. Juillet, du coup, c'est une très bonne semaine d'économie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre tout de suite la case à 20. Ce sera fait. Hop. Voilà. Profitons. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, celui de Jenny. Juillet. Hop. €10. On commence petit. Hop, €10. Ensuite, le Mastodonte qui est un peu moins lourd.
Bien, bon. Alors, défi flash, les 20 euros, bah, je ne les ai pas utilisés. Du coup, ils vont rejoindre ceux-là. Et donc, on repart, comme vous le savez, sur un deuxième cycle de cinquième semaine. Donc, hop, 20 euros de plus. Donc, on est à 220. Voilà. Ça, c'est fait. Et on fera notre tirage tout à l'heure, savoir ce qu'on a à faire cette semaine. Les défis annuels. Donc, défi 5 euros, bien sûr. Je mets mes 10 euros comme d'hab. Si je peux mettre plus, je reviendrai peut-être dessus après. Mais voilà. Donc ça, c'est bon. Le 52 Wix. Alors, j'ai pas... Voilà, c'est bien ce que je disais. Je ne les ai pas... Je ne l'ai pas noté, que je l'ai vidé. On va mettre semestre 1. Moins 310. Et donc, on repart à 0. Mes petites cartes, bah, je prends la première, on va pas s'embêter. Ah, ah bah c'est celle de la semaine dernière, je l'ai pas virée. C'est la seule. Hop, voilà. Et on y va. 22, grosse case. Hop. Vous voyez, 22 euros. Bah tiens, je garde la pièce de 2. Et voilà. Donc on est en juillet, j'ai pas remonté, il va falloir que je le fasse. Semaine 1 plus 22 euros. Et donc on est à 22 euros. Bon, vu qu'on a mis les 20 euros dans le défi de Marion et que là on met 22, je vais faire qu'une case à 10 ici. Hein. On fera une case à 20 plus tard. Donc là, hop, une case à 10, on repart à 0. Alors là, c'est pareil, je ne l'ai pas noté. Semestre 1, moins 330 et 0. Voilà. Et du coup, juillet, semaine 1, plus 10. Et on est à 10. Parfait. On est en semaine 27, oui, semaine impaire du coup. Oui, on est en semaine 27, c'est ça. Du coup, c'est parti. Ma 10 euros aussi. Voilà. Oui, c'est pareil, j'ai pas rempli. Semestre 1 moins 160. Donc on repart à 0. Et juillet. Semaine 27 plus 10. Bon, je mets comme ça pour l'instant. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, ça, j'aurai cette case. Voilà, et on est, c'est mieux. Hop, alors les autres défis. Le défi livre, j'aimerais bien le finir vu que je vais à la FNAC. Combien il reste? 3, 4, 5, 7. Ouais, je vais le finir. Comme ça, hop. De toute façon, je le refais. Comme ça, on n'en parle plus pour... Je le remplirai peut-être pas la semaine prochaine pour compenser. Mais vu que là je vais à la FNAC et je ne sais pas quand est-ce que je vais y retourner. Donc on a bien 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. 100 euros. Hop, je les enlève. Et lui, il repart à 0. Les Monopoly. Hop. GT, GT, GT.
J'étais là, sur un 10 euros. 6. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. 11. C'est bien. Moi qui me plains de jamais d'avoir de grosses cases. J'ai juillet. Plus 11. 81. Les 1 et les 10. Hop. Le semestre. Je vais mettre 2 cases à 5. Hop. 5 et 5. Donc ça fait 50. On est au milieu du semestre 3. Plus 10, 250. Le pas à pas. Oui, j'aimerais bien finir. De toute façon, il faut que je le finisse là, à la fin du mois, parce que je l'emmène en vacances. On va mettre 10. Donc, juillet. Bon, on teste. Faire un 3. Non, toujours pas. Tant pis. Alors, j'aimerais bien finir. Enfin, gratter. Gratter celle-ci. Comme ça, direct, ça va dans Noël, Noël, l'anniversaire. Hop. Le bonus, donc, on avait fini la case. Oh, pas des 20 euros de bonus à mettre. Ok, parfait. Donc, 20 euros. Et bah, voilà. Hop. Et du coup, ça nous fait 120 euros. 120. Je les enlève. Pareil, ils iront dans l'enveloppe anniversaire. Et elle, je la mets derrière et on attaquera le vierge. Ça, c'est fait. Donc après, il reste les cartes défi et il me reste 20 euros. J'aimerais bien finir celui-ci, mais je crois que ça va être... Combien on était là? 40. 60, 75, ouais c'est 25. Après je peux la gratter et la faire sur 2 semaines. Ça c'est possible. Parce que là sinon... Ah ouais les prénoms. Il y a longtemps que j'ai pas fait les prénoms. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est pour la fête des grands-pères. Donc on a le temps, c'est qu'au mois d'octobre. Je vais faire les prénoms. Il me reste 20 euros, j'aimerais bien les mettre. On avance pas. Qu'est-ce que j'ai là? 11... 1, 2, 3, 14 et 15. Bah écoutez, on va finir celle-là. Déjà, ça fait 15 euros. 11. 11 et 3, 14. Et 1, 15. Super. Donc celle-ci, elle est finie. Bah, c'est cool, j'ai fini la mienne, j'ai fini celle de mon mari. Il reste que les enfants. Bon, il y a des grosses sommes. Il y a un 21. Il y a 2 21 et 2 19. Et 2 15. Quelle idée d'avoir appelé ses enfants comme ça. Donc je mets 15 euros. Voilà, et il me reste 5 euros que je vais mettre. Je pense que je vais gratter cette case là et je vous dis normalement c'est 25 euros. Donc je vais mettre les 5 et puis il restera que les 20. Hop, voilà. Parce que celui-là j'aimerais bien l'avancer, ça va dans nos enveloppes perso donc ça fait, voilà. Ça fait plaisir si je peux le faire deux fois dans l'année, c'est toujours cette prix. Hein. Hop, ouais, c'est bien ça. J'avais bien calculé. Là, c'est une carte à 100, donc
C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Voilà, ça aura que ça les 150 à faire. Hop, voilà. Donc on prend les 5 et on met moins 20. Parfait. Bien, bien, bien. J'ai des 5 à récupérer encore. Donc c'est nickel. Tout est rempli à peu près. Non, il reste les cartes des filles. Pardon, j'ai oublié. Carte des filles, carte des filles. Il me reste quand même de la monnaie. Alors, hop, 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 50. 14, 50. Alors, je voulais finir celle-ci en priorité. Et 2 fois 50 centimes, ça fait 5. Donc 5 euros. C'est celle-ci. 2, 4 et 5. Non. Et on va attaquer celle de... On va faire celle de blush, puisque celle de blush, j'aime bien mettre de la monnaie. Donc... En plus, elle est très thème, très thème été. Bon, déjà, j'ai une 50 centimes. Est-ce qu'il y a une grosse... Ah, c'est une petite à 10. Alors, 50 centimes déjà. Hop, comme ça, on n'en parle plus. Il n'y a pas de 2. Non, il n'y a pas de 2. Donc, 1,50 plus 50 centimes, ça fait 2. 1 et 1, ça fait 2. Encore un et un, encore deux. Il me reste 3 euros. 1, 2 et 3. Bah, il me restera juste 50 centimes à mettre dedans. Ok, c'est bon. C'est bien pour une fois. Elle avance bien. Elle avance bien dès le départ. Moi, j'ai eu plein de monnaie. Au niveau de l'eau, là. Donc je vais 14,50, hein, j'ai dit dans les cartes des filles. Bon, j'ai perdu mon stylo effaçable, ça m'énerve. Mais bon, tant pis. Normalement, je vais pas faire d'erreur. Alors, on a mis 20 euros dans celui de Marion, 10 dans celui de Ginny. 24, c'était pas cette semaine. 5 euros, on y a mis 10. 689, 22. 52 weeks, 10. Impair, 10. Livre 20, Monopoly 11, trimestre 10, pas à pas 10, lancer des noms, défi du mois non plus, le prénom 15, l'éphémère 5, signe 20, carte défi 14,50, ah oui c'est vrai, oh non c'est pas tout de suite, et le astro c'est pas tout de suite, donc 0, ok. Donc, le total, 20 plus 10 plus 10 plus 22, 10, 10, 20, 11, 10, 15, 5, 20, 14, 50, 187, 50, on est bon. Nickel. Bonne, très très bonne première semaine. Je suis très contente. Ça, c'est fait. Ensuite, on continue. Alors, on va gratter la semaine 2 du mois numéro 7. Ah oui, du coup, j'ai pas gardé la pièce. J'ai mis. Ce sera une semaine à 20 euros. Attendez, hop, comme d'habitude. Et voilà. Donc semaine à 20. Ok, donc déjà on sait qu'il y en aura une grosse case là-dedans la semaine prochaine. Défi flash. À quelle sauce allons-nous être mangés?
Bon, vous savez, je suis toute seule avec mon mari, on n'a rien prévu de particulier, donc un peu n'importe quoi. Quand on est tous les deux, on mange un peu ce qu'il y a. Hop. 5. Enlève 10 euros dans 3 enveloppes. Donc en gros, 30 euros à mettre de côté. €10 d'hiver, de loisirs, 10 euros de santé, hop, et 10 euros du fonds de secours. Voilà, très bien. On est prêt pour la deuxième semaine de d'août, de juillet, pardon. Nous, on part en vacances qu'au mois d'août. Donc là, il nous reste encore 4 semaines de budget, je crois. Oui, c'est ça. Avant d'être sur le budget des vacances. Donc, on a encore du temps. Ça, c'est bon. On n'en parle plus. Tout ce qui est budget, c'est terminé. Nickel. Alors, bilan lecture. Donc, cette semaine... Alors, j'ai bien lu sans avoir bien lu. Je m'explique. J'ai pas lu énormément de livres parce que j'ai lu... J'ai lu un parpaing. Non, j'ai lu un gros livre qui m'a du coup pris du temps. Bref, j'ai commencé la semaine, enfin j'ai surtout fini le week-end avec le deuxième tome de Borderline. Donc je les ai revendus, je vous mettrai hein, la photo comme d'habitude en miniature. Donc deuxième tome donc, de Borderline de Joyce Keaton. Donc attention, dark romance, public averti. On parle beaucoup d'agression sexuelle, de manipulation et tout. Alors, je vais pas vous en faire un résumé parce que c'est la suite du 1. Donc, j'étais vraiment restée quand même sur ma fin, sur le 1. J'avais trouvé que le plot twist était très bon. J'avais beaucoup aimé le 1, j'avais quand même bien aimé. J'avais mis 4,5. Voilà, c'était malaisant, mais j'ai détesté le personnage masculin. Mais j'ai quand même mis 4,5. J'ai un peu moins aimé le 2, j'ai mis que 4 étoiles. Parce que... Voilà, j'ai beaucoup plus été surprise du 1 que du 2, du coup ça m'a un peu moins plu. C'est pour ça que j'ai mis que 4 étoiles. entre les deux duologies, puisque je vous ai dit que cet été je me consacrais à mes duologies, j'ai voulu lire un one shot pour avoir voilà, changé un peu. Donc j'ai lu The Coldest Winter de Brittany Sechery. Donc ça fait très romance hivernale quand on voit la couverture. Mais bah pareil, hein, je l'ai revendu. Mais du coup, j'avais envie de le lire là, ça fait un moment que j'avais envie de le lire. Et je ne regrette pas du tout. Donc dans The Coldest Winter, on va suivre Starlet. Starlet est à 21 ans, elle est à l'université. Elle fait des études pour devenir enseignante comme sa maman qu'elle a perdue quand elle avait 13 ans. Et elle est dans une... Voilà, c'est une fille plutôt... carré, très disciplinée, elle est parfaite dans ses études, elle est parfaite dans son couple avec son copain, enfin voilà. Là, c'est le jour de son anniversaire et elle a trouvé une bague, donc elle sait que son copain va la demander en mariage, donc elle se prépare pour sa soirée. Elle va chez lui, elle arrive plutôt que prévu et elle le voit dans une posture assez, comment dire, je trouve plus le mot, bref, avec une autre femme. Voilà, voilà. Donc, évidemment, elle lui demande pourquoi. Et il lui explique que bah, avec elle, tout est facile et tout. Qu'il avait quand même l'intention de l'épouser, hein, même malgré tout ça. Mais voilà, avec elle, c'est trop facile. Il la compare même à une boîte de céréales, les céréales les plus banales. Bref, elle le quitte, bien évidemment. Et elle décide d'écouter sa meilleure amie et de la suivre dans une soirée étudiante. Lors de cette soirée étudiante, elle rencontre un garçon. Un garçon très ténébreux, très mystérieux, avec qui elle passe un très très bon moment, mais excellent, elle a rarement pris son pied autant, voilà. Et voilà, en regardant les yeux de ce garçon, elle voit une tristesse, mais très profonde, enfin voilà. Lui, voilà, c'est un one-shot, il la dégage, et on va le suivre lui après, donc qui s'appelle, lui c'est Milo, pour l'instant on ne sait pas qui c'est. Donc en plus de ses études à l'université pour devenir enseignante, elle a la possibilité de faire un stage dans un lycée, dans une classe. Donc, elle commence sa première journée de stage. Et qui est-ce qu'elle trouve au premier rang? Enfin, non, pas au premier rang, mais dans cette classe. Le fameux garçon qu'elle a rencontré dans cette soirée étudiante. Donc, un léger malaise s'installe entre eux. Donc, ce garçon, c'est Milo. Milo a 19 ans.
Milo est complètement détruit, il a perdu sa mère il y a un peu moins d'un an, et du coup il est complètement dévasté. Depuis, il boit, il fait n'importe quoi, ses études en pâtissent. Du coup, le directeur du lycée, qui est également son oncle, lui dit qu'il faut qu'il se reprenne, que sa mère lui a laissé une lettre et qu'il est dans l'obligation de lui donner que s'il obtient son diplôme. Pour pouvoir obtenir son diplôme, il décide de lui mettre un tuteur pour pouvoir remonter ses notes. Et ce tuteur est Starlette. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer la suite de l'histoire entre eux. Je vais arrêter là le résumé. Que vous dire? C'était du Brittany Séchéri, tout craché. C'était doux, c'était beau, c'était poétique. C'était un livre magnifique. J'ai mis 5 étoiles, j'ai pas mis un coup de cœur parce qu'il m'a manqué un petit quelque chose. Mais c'était vraiment, vraiment magnifique. Je l'ai dévoré, j'ai eu ma larme. Non, c'était très beau. La reconstruction, en plus, vraiment, Milo, il lui arrive des. Le pauvre. Voilà, moi je le plains. Mais c'est un personnage. Voilà, au début, il fait le mec qui la rejette. Mais non. Non, c'est un super book boyfriend. Et puis elle, Starlette, elle est tellement adorable, tellement intentionnée avec lui. Enfin, voilà. J'ai kiffé ma lecture. Lisez-le. Ça peut être lu n'importe quand. Hein. Mais c'est vrai que la couverture fait très hiver. Mais voilà, j'ai pas regretté de le lire à ce moment-là. Et ensuite, je repris mes duologies et j'ai tiré au sort My Missing Piece. Je vous montre que le tome 1 pour l'instant, puisque je n'ai lu que le tome 1 cette semaine. Donc, je vous. Voilà, vous voyez le parpaing de 700 pages? Oui, 700 pages. Et le tome 2 en fait 600. Donc, 1300 pages, une duologie, ça fait plutôt mal. Donc, c'est de Acacia Black. Je vous mets le résumé comme d'habitude. Donc, dans ce livre, on va suivre Luna et Liam. Luna et Liam se sont connus quand ils étaient enfants. Donc, lui avait 12 ans et elle avait 10 ans. Ils venaient d'arriver dans la petite ville de Carolina Beach, là où Luna habitait. Et ils sont devenus tout de suite amis, mais amis pour la vie, même plus que ça. Ils se sont suivis à l'école, au lycée, enfin, au collège, au lycée. Il y a une réelle amitié qui s'est créée entre eux, mais une amitié qui, au fur et à mesure des années, s'est transformée en amour. Ouais, c'était vraiment, voilà, ce sont deux âmes sœurs, vraiment deux âmes sœurs. Malheureusement, le jour des enfin, aux saisons de Luna, il se passe un événement tragique pour les deux protagonistes, et ce qui fait que du jour au lendemain, Liam déménage. On les retrouve 7 ans plus tard. À New York, Luna passe un entretien d'embauche pour un label de musique et est embauchée. Et il y a un nouveau PDG qui arrive dans ce label et qui n'est autre que Liam. Voilà. Comment vous dire? Liam est devenu un être plutôt aigri qui la déteste, qui veut se venger, qu'elle l'ait abandonné dans un des moments les plus durs de sa vie. Qui ne veut pas d'elle, clairement, dans son entreprise. Il fait tout pour qu'elle soit virée. Voilà, je ne vais pas plus loin. Que vous dire? Premier tome, j'ai mis 5 étoiles, j'ai adoré. J'ai en fait 700 pages, mais ça se lit tout seul. Je l'ai lu en 2 jours, mine de rien. J'ai vraiment adoré. L'histoire entre eux est très très belle. Ça m'a fait beaucoup rire les piques enfin, voilà, qu'il lui met dans les pattes. Puis en fait, on se rend compte qu'il ne l'a jamais oublié. Très très belle histoire. Et là, je suis au tome 2. J'aime un petit peu moins, mais voilà, il me reste 200 pages. J'en suis pas encore à la fin. Mais le 2 au début est très très dur. Voilà, donc c'était une très belle lecture, encore une lecture de reconstruction comme celui d'avant, alors un peu moins fort que celui d'avant, mais voilà, que vous dire, j'ai vraiment eu des très belles lectures cette semaine. Alors ça fait un moment qu'il est sorti, hein, celui-ci, mais ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire, donc je suis contente de les sortir, de faire ce truc des duologies, ça me permet de sortir des livres que j'ai depuis un moment et que je voulais à tout prix lire. Et en plus, celui-là, il me faisait peur vu la taille du livre. Voilà! Bah sur ce, bah, tout est fait. Bilan lecture, bilan budget, ok. J'ai passé une très bonne semaine. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé aussi. Vous avez fait des belles économies ou qu'au moins, vous n'avez pas dépassé votre budget. On se retrouve, nous, en fin de semaine, comme d'habitude, pour faire le bilan de la semaine 2 de juillet. Si vous êtes en vacances, surtout, bah, passez de bonnes vacances. Éclatez-vous, profitez bien.
Si vous êtes en vacances et que vous partez pas, bah, profitez aussi, hein, voilà. Et puis si vous travaillez comme moi, bah, bon courage pour la semaine. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.